Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente mon nouveau pied presseur, la Camilla, qui est à double entraînement. Le pied se compose de trois parties. La partie 1, la griffe mobile. La partie 2, le support du pied qui va rattacher au pied de l'aiguille. La partie 3, la patte qui va rendre la griffe mobile. Je vais baisser les griffes de la machine pour pouvoir fixer le pied plus rapidement. Sur la FS40, l'option se situe derrière la machine. Je retire le pied qui est actuellement en position. Je le retire en passant vers l'arrière pour que les fils restent bien derrière. Je vais fixer le pied ici à l'endroit du repose-pied. Oups, la vis est tombée. À gauche, nous avons les petits boutons pour la sélection du point. Sur la droite, pour la longueur et la largeur du point. Ici, le point numéro 1 est un point qui va marcher tout droit. Donc, nous n'avons que la sélection de la longueur du point.
Ce pied nous aide à nous facilite la tâche par rapport à la couture et à l'assemblage des tissus. Mais ça ne va pas faire de la machine familiale une machine industrielle. La SS40 est une machine de chez Brother très agréable et très facile d'utilisation, quoique à mon goût un petit peu trop bruyante. Mais ça reste une machine très confortable.